en question, c'était la mort. C'est pourquoi il dit, parce qu'il fallait qu'il joue la mort, toujours le 2. Dans, quand tu l'es, dans Matthieu chapitre 26, il dira, s'il est possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe. Là, il est en train de jouer parce que l'Écriture déclare un grand prophète est paru au milieu de nous. Parce qu'il était aussi prophète. Il fallait aussi qu'il soit tué comme un prophète. Et il fallait aussi qu'il agisse comme un prophète. C'est pourquoi lui-même dit ceci. On lui dit, ne monte pas à Jérusalem. Il dit, non, il faut que j'y aille. Parce qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Que Dieu te bénisse. Là, je te parle de Jésus en tant que prophète. Or, prophète, c'est qu'il est un envoyé. Il faut que lui aussi puisse être ajouté non, au nombre de ses frères, ses confrères qui sont donc les prophètes. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Lui-même étant prophète, lui-même étant envoyé. Il fallait d'abord qu'il meure. C'est pourquoi Luc chapitre 24 dit ceci. Un grand prophète était au milieu de nous, mais il a été tué. Là, je suis en train de te donner l'enseignement point par point. Je te parle de Jésus en tant que prophète. Que Dieu te bénisse. En tant que prophète. En tant que prophète. Là, je suis dans Luc chapitre 10. Je t'ai dit ceci. Luc chapitre 10. Non. Je suis dans Luc chapitre 24. Que Dieu te soit favorable. Alors. Regarde. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répond. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Que Dieu te bénisse. Donc, il était un prophète. Et en sa qualité de prophète, il faut comprendre qu'il est donc un envoyé. Parce que prophète veut dire tout simplement envoyé. Prophète veut dire tout simplement serviteur. Donc, un envoyé. Prophète veut dire aussi témoin. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il dit que je ne dis que ce que j'ai vu chez mon père. Là, il est en train de parler en tant que témoin. Ce que j'ai vu chez mon père. C'est-à-dire, je suis témoin.